Et salut à tous, c'est Arus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Master Duel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir beaucoup de gemmes, les amis, dans le jeu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, surtout si la vidéo vous a été utile. C'est le meilleur moyen de me remercier. On se retrouve pour la vidéo juste après l'intro. Allez! On se retrouve dans le jeu les amis, donc je vais vous montrer pas mal de choses donc pour tout simplement avoir énormément de gemmes. Donc voilà, moi je suis à 4000 et encore je le farme pas, je fais juste des duels, je suis monté platine aujourd'hui. Tout simplement, j'ai rushé en moins de 24 heures, j'ai réussi à avoir ça, donc tout simplement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais vous montrer comment avoir beaucoup de gemmes donc, dans le jeu. Donc première chose les amis, vous allez aller chercher... Donc le pass, donc au début vous allez avoir 1000 à 2000 gemmes gratuitement. Donc il coûte 650 je crois ou 500, je ne me rappelle plus, 750 quelque chose comme ça. Mais de toute façon vous aurez assez parce qu'au début il vous donne 1000 gemmes les amis. Donc c'est la première chose à avoir. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça va servir tout simplement à avoir donc, des gemmes. Bien évidemment c'est le sujet de la vidéo mais surtout aussi des fragments de, je sais pas comment ça s'appelle, d'ultra rare et de super rare. Donc pour craft vos decks donc par la suite. Mais voilà, enfin vous en avez beaucoup donc de tout ça. Donc en plus des gemmes bien sûr. Ok, première chose c'était ça. Deuxième chose les amis c'est les missions. Donc voilà, regardez. Là on a 1000, 1500 à chaque fois que vous vous connectez par exemple. Donc là les missions c'est super important. Donc ici ça c'est les missions donc qui sont limitées donc on peut pas faire tout le temps. Et là c'est les missions qui sont illimitées. Donc voilà, là j'ai par exemple 100 gemmes à aller chercher en faisant par exemple le défi qui est juste là. Et puis le reste voilà, comme vous pouvez voir là il y a 500 gemmes, c'est énorme. Donc franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus on monte, plus on doit en avoir, je pense. Donc, en plus, on a des récompenses un peu différentes, mais on a énormément de choses. Voilà, 300 ici. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, il y a énormément de trucs. On peut même aller chercher des decks. Donc, voilà. Donc, je vous conseille d'aller chercher ces missions et de les faire. Donc, c'est très rentable. Dernière chose, les amis. Enfin, pas dernière. Avant-dernière. Donc la dernière chose, l'avant-dernière chose, donc ça va aller tout simplement d'aller en solo. Je vais vous montrer ça. Moi je ne les ai absolument pas fait comme je vous ai dit, j'ai même pas farmé. J'ai fait juste mon premier deck et j'ai rush le ladder. Là je suis au platine. Donc le rang maximum. Donc là, pardon, je ne sais plus où c'était. Voilà, vous avez 600 par exemple ici. Vous en avez encore 600. Voilà, 600, 600, 600. Vous en avez 1200 juste ici les amis. Hein. Enfin, en plus il y a des decks qu'on peut avoir aussi en solo. C'est très fort. Donc là, à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à finir tout ça dans un premier temps, avant de faire votre deck quasiment, donc, ou même après, si vous avez déjà fait votre deck. Donc on va essayer ici, par exemple, on va regarder ce qu'il y a. Pour vous dire, je connais, je me suis pas trop renseigné non plus, mais il y a des choses qui sont énormes. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Orbe Terre, des chapitres verrouillés en mode solo. Ok, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de truc. J'apprends en même temps que la vidéo, donc là ça va être surtout pour les orbes, à ce que j'ai compris. Airbus, icône, ça c'est une icône, ok. Et voilà, et on a encore des gemmes ici. Donc voilà, on va regarder le niveau 3, les 6 samouraïs. On va regarder directement avec vous, donc pour vous montrer. Le jeu il est sorti il n'y a pas longtemps les amis, c'est normal, je connais pas encore tout, je découvre un peu avec vous. En tout cas, voilà, moi j'ai 4000, je suis tranquille les amis, donc... Franchement, j'ai déjà fait un deck avec... je vais vous montrer mon deck. J'ai déjà fait un deck, donc j'ai utilisé beaucoup donc, de gemmes. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Hop, on va aller donc, dans mon deck et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai créé quand même. Et à la fin, on va se retrouver pour la dernière astuce. Donc juste après, hop. Donc voilà, ça c'est mon deck qui est incroyable, les amis. Donc voilà, il y a pas mal d'ultra rares. Et je les ai craft, hein, tout ça, hein, pour vous dire. En plus d'avoir packé, bien évidemment. Mais voilà. Pour les crafts, il faut toujours, de toute façon, les paquets, j'ai dû utiliser facile 10 000 cristaux pour ça. Et j'ai mis 0 euro, hein. Bien évidemment, j'ai mis rien du tout dans le jeu à l'heure actuelle. Donc voilà. Dernière étape, les amis, qui est très important, ça va être d'aller rusher le ladder. Donc à chaque fois que vous rushez le ladder, les amis, vous allez donc gagner des cristaux, mais aussi... augmenter votre passe. Donc là voilà, en l'espace de 2 jours à peu près, même pas, je suis déjà au 50e. Donc ça va permettre d'avoir des cristaux ici
Et en gagnant, vous avez en plus des cristaux après. Et en même temps, vous allez faire les missions. Donc, vous allez faire un peu tout en même temps et vous allez rusher les cristaux, mais super facilement. Donc là, je suis à 3008, quasiment 4000, les amis. Et c'est très fort. Regardez le prix des gemmes, les gars. Franchement, vous pouvez tout avoir ça ultra facilement. Et le jeu est totalement gratuit. Et c'est ça qui fait plaisir. Pas comme Duel Links où créer son deck méta, c'est relou. Et il faut soit très. Faut être très patient, soit voilà, aller chercher d'autres cartes avec voilà, des cartes qui sont gratuites, qui sont moins fortes, ou sinon vous mettez de l'argent, donc et c'est très chiant. Mais là, c'est tout gratuit, les amis. Là, je peux me faire un autre deck carrément. Donc, ça fait 2 jours que je suis là dans le jeu, mais c'est incroyable. Et en plus de ça, voilà, j'ai acheté une petite icône, voilà, un petit mob. J'ai acheté l'icône ici, j'ai acheté les cosmétiques qui sont gratuits, les amis, qui sont gratuits. Enfin, je sais pas quoi dire, qui sont gratuits. En faisant cette astuce-là, vous pouvez tout simplement aller chercher donc tout ça. Voilà. Voilà, je suis parti acheter ça, les amis. Je me suis fait plaisir. En plus de ça, j'ai acheté les trois qui étaient ici, hein, pour vous dire. Donc, j'ai eu beaucoup de cristaux de cette manière-là, et vous pouvez en avoir encore énormément parce que on n'est que au début et le jeu va encore continuer à s'améliorer sûrement. Il y aura sûrement de plus en plus de défis à faire. Donc, je ferai d'autres vidéos. Donc, si je vois qu'il y a des choses à ajouter, tout simplement. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Donc, c'était une vidéo très rapide. Donc, voilà. Abonnez-vous. Donc, si ça vous a été utile, surtout moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc, quand j'ai su ça, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Si la vidéo vous a été utile, c'est le meilleur moyen de me remercier en vous abonnant, à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Voilà. Je. Vous laisse là-dessus, les amis. Allez, tchuss tout le monde.